Ok. Hey. Non, je vais pas mettre un putain d'orteil dans cette eau. Quelque chose cloche. Mmh. Quelque chose cloche avec ce lac. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Outlast. On doit faire le tour du lac, hein, parce que oui, aller dedans, c'est pas très bon pour la santé. Oula, mais il y a beaucoup de trucs là. Je peux aller à plein d'endroits différents. En même temps, pourquoi j'irais là-bas? Car il n'y a rien. N'est-ce pas? C'est bizarre qu'il n'y ait rien. C'est bizarre qu'il y ait plein d'endroits où on peut se cacher. Y'a personne. Ah bah je peux aller par ouais, à travers la maison. Ok, super. J'ai trouvé un vrai chemin. Je ne vais pas tremper mes petits pieds dans le lac, désolé. C'est quoi ce bruit? Des escaliers extrêmement rassurants. Je ne vais absolument pas tomber à travers. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? C'est un éclair. Voilà, ça arrive. Ah non, c'est ça là-bas? Allô? Y'a quelqu'un? Je saute là? Bah oui, je me suis fait mal. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas d'ennemis là, je me sens bien trop tranquille. Passer au-dessus. Non, mais c'est une blague ou quoi? Oh non. Alors quand il fuit, on sait ce que ça veut dire, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé ce message? Alors, je vais lire les messages maintenant, parce qu'après... voilà. Revenez immédiatement à Temple Gate pour dire à Papa Note que les horreurs et le tourment qui se trouvent ici mettent à l'épreuve ma foi en Dieu. L'homme seul ne peut lui faire face. L'ennemi attend dans les ténèbres. Que Dieu sauve mon âme et la vôtre. Les fuyers de quoi? Ça, ça me fait penser à un feu dans Dark Souls. Je me sens un peu... Je peux le traverser avec ça. Ok, bah super, allons-y. Ok, super. Appuyez sur Z, ok. Y'a rien du tout derrière moi, c'est bon. Ah, mais je vais vraiment faire une petite balade à Radou, là? Jusque là-bas. Ça va être plutôt lent. Je vais mettre un certain temps. Je ne peux croire qu'il ne va rien se passer. Je regarde derrière moi, c'est stressant. Hein. Se retourner, c'est stressant. Et quand on arrête de se retourner, donc pour se re-retourner, pour voir devant soi, c'est encore plus stressant. Ah, la lune a disparu. Je suis perdu. Il y a des bruits dans l'eau. Pagaie.
Bah avance vers la lumière. Oh, qui se sait ? Des poissons morts. Ah, oh, on les pousse vraiment. Ce sont les signes. L'apocalypse. Oh, mais les gens, ils s'y connaissent en plus. J'espère que j'ai juste perdu la raison. Vite. Non ! Mais non ! C'est bon, vite. Allez, avance ! Monte ! J'ai cliqué sur toutes les touches de mon clavier. Ah, vite ! Ah ! Laisse-moi t'aider. Allez, on se dépêche. On est presque arrivé. J'avance pas. La lune est revenue. C'est bon. Tout va bien. Je suis arrivé. En fait, si on allait le plus loin possible. Je me sens presque bien sur l'eau là. Quand c'est pas en plein milieu du lac. Là, dans juste la petite rivière. On va arriver dans l'école. Ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas eu l'école. Ah, d'accord. Je ne pas gagner. Oh là, attention, sport extrême. Oh. Quel bateau de merde, allez, c'est trois planches de bois. Allez. Ah, y'a quelqu'un. Allez. Y'a des gens. Allez. Ah, merde. C'est pas moi, c'est moi. C'est bon, pas de stress. Pas de stress. Les voilà. Ils sont fait Lynn. Ouais, les voilà, mais où? J'y suis presque, Lynn. La secte veut sa mort. C'est pour les chrétiens. Dieu a dit qu'elle devait mourir. Mais les autres, les hérétiques, veulent que le bébé naisse. Merci pour ce petit point de l'histoire. Défiez Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir qu'il n'y a pas de bébé? Je dois... Ah, il n'y a pas de bébé en fait. Lynn, j'arrive. Mais qui c'est? Pardon, j'ai pas vu. Ah. On est dans Titanic. Est-ce qu'il y a des survivants? Je m'attends à entendre un coup de sifflet n'importe quand. Ce bruit. Allez, le mec il galère. Hein. Galère. Très bien, on va se faire discret. Je sais pas quand est-ce qu'on sort de l'eau, mais... Un petit épisode aquatique, là. Pourquoi une musique stressante d'un coup? Attention! Mais non! C'était fait exprès? Un bruit? Merde, le radeau! Faites qu'il soit toujours là!
Mais il est parti où le radeau? C'est quoi tous ces bruits? Love. Je me sens pas bien. Je me chie dessus. Là-bas, le radeau. Si je pouvais juste. Merci. Et puis mon gars, en plus, enfin ça c'est un truc que j'ai remarqué la dernière fois. Quand il est sur une corniche, il est genre dos contre le mur. Et en fait, je pense que moi je ferais l'inverse en vrai. Je me mettrais genre ventre contre le mur comme ça. Alors que lui il est. Vous voyez, c'est plus facile d'attraper quelque chose et d'avoir des prises. Fils de pute. Quoi? Oh mais c'est horrible. Quelle horreur. Ah je filme. Ok. Ah d'ailleurs, donc pour, c'est pour de vrai, ça filme vraiment et s'enregistre sur mon disque dur, vraiment comme j'enregistre et comme je bouge. Et du coup j'ai regardé, j'ai un dossier de 1,5 gigaoctets. En plus je filme même pas la moitié des trucs. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit? C'est quoi qui fait ce bruit enfin? Puis je vais où là? Cela ne fait aucun bruit, hein, bien sûr. Ah ouais, il n'y a plus le gars avec sa flèche. On est tranquille. Hein. C'est bon, il n'y a personne. Love set us free. L'amour nous libère. Ah oui, il est très libéré, le type. Je le filme ou... Non, c'est bon, j'ai pas besoin. Voilà, d'où le radeau? What? Comment il se déplace? Vous avez vu ça? Oh là. Vite. Je sais pas si leur déplacement c'était un bug ou leur vrai déplacement. Mais ce jeu fait bien trop peur. Avançons. Il a éteint sa torche. Allez, avance. Non, en vrai, ça avancerait plus vite. Regardez l'eau, elle va plus vite que moi. C'est pas possible. Le type construise des ponts juste en poussant un arbre.
saute. C'est des ninjas. Et comment ils font pour être en aussi bonne forme physique avec toute leur infection et tout? Allô? Merci. J'ai l'impression de subir le courant, c'est terrible. Allô, tourne. Je ne suis pas là. Personne ne m'a remarqué. Oula, je prends de la vitesse. Je prends de la vitesse. Je prends de la vitesse. Quoi? Mais non. Ça va, j'ai encore 75% de mon radeau. Attention. Tout va bien, tout va bien. Je pourrais presque encore en perdre un. Je sais même pas ce qui m'est tombé dessus, mais... Le pont. Lynn. Mais tourne! Mais ça ne tourne pas, je vous jure! Mais j'appuie sur des touches! Mon clavier marche-t-il? Bon, allez, c'est parti, on avance! Ou pas? Ah, mais là, c'est la mine, non? Voilà la mine! Ah oui! Je suis le jeu quand même un peu, hein. Lynn, qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui faire? Lynn à la mine. Je pense qu'elle est la mère de quelqu'un. Ils m'ont appelé le père. Je peux pas. Ça fait des mois. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des gens dans l'eau. Ah, il y a quelqu'un devant moi. Oh merde. À la piscine de l'école. Oh! Mais enfin, mais lâchez-moi! Mais j'essaie juste de survivre, enfin! Je sais même pas ce que je fais! Je suis dans une piscine municipale, quoi! Je sais pas où je vais! Ah! Y'a un bout! Y'a un bout! Oh là là. Je suis coincé dans une échelle, merci. Je suis toujours coincé. Monsieur, voilà, je vais retomber dans l'eau. Mais... Ah bah quand même, elle va sortir d'une piscine. La piscine était plus grande que ça, hein, je tiens à préciser. Oh, exit. Oh non, mais allez, casse une vitre, quoi! Circonstances exceptionnelles! Le chemin éclairé qui annonce sortie ou le chemin non éclairé qui a l'air sombre? Ah-ha ! Ah-ha ! Oh mince. Non mais attendez, attendez quoi ! Oh non, je suis méga déçu ! Je suis méga déçu ! Ouais bon, c'est fermé aussi hein. Oh, c'est quoi derrière? Ah, mais c'est des prêtres. Mais j'étais dans une espèce d'école catholique. Ouf. Bonjour. C'est très le Stephen King ici, non? Ah oui. C'est très Shining. Bah, c'est très Stephen King. Très bien. Bon, écoutez, une petite douche. Ah, oh, ça fait du bien. Après toutes ces courses poursuites, une bonne petite douche. Je me sens bien mieux. Merci.
Oh, waouh. Oh là là, j'ai mes traces de pas par terre. De pas par terre. Oui. Et je vais où? Il arrive! Oh putain. Oh merde. Ah! J'avais tout pré-shot. Oui, parce que l'écran commençait à se distordre comme quand il est là. Oh putain, ça, il est de quel côté, je sais pas. Ça va être fermé, ça. Ah, putain de merde! Fils de pute! Merde! Mais. Mais. Ok. Je recharge. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici? Une pills. Pills? On va trouver un message qui va tout expliquer. Not telling his words van lying. No. Ouais. Not telling, ça doit pas être telling. His words van lying. Not. Ouais, je sais pas. Le néon est super bien fait. Déjà la dernière fois, je me suis retenu de le dire là, mais. Non, c'est super bien fait. Je sais pas pourquoi, vous allez me dire, il nous troll, pourquoi il parle particulièrement du néon. Je sais pas, je trouve que l'espèce de petit quadrillage là, c'est super bien fait. Super bien fait. Eh, hey, mais je fais quoi maintenant? Je déteste cet effet là. École catholique, sans deck. J'ai peur. Vous savez, Outlast, ça fait partie des rares jeux. Surtout le 2. Le 1, ça allait encore. Au final, j'avais moins peur dans le 1 que dans le 2, je trouve. Le 2 est plus terrifiant. Le 1, c'était beaucoup des courses-poursuites dans des endroits fermés. Genre la prison, tout ça. Merde! Aide-moi! Blake! Mais où? C'est beaucoup des endroits fermés à Outlast 1. Ou un semi-open space. Enfin, non, mais. Non, c'était linéaire. Mais. On était poursuivi par des monstres, il fallait juste se dépêcher. Là, on n'est pas poursuivi par des monstres. On peut se faire repérer, c'est pas pareil du tout. What? C'est normal que je vois rouge là? Ah oui, c'est l'échelle par laquelle j'arrivais en sortant de l'eau. Dites, la météo ici est quelque peu atypique. Allô? J'ai pas tellement envie de rester sous cette pluie, vous voyez. Ah, super, un achievement, alors ça c'est... Quoi? C'est genre l'endroit final là où... C'est vrai qu'on cherche à aller là depuis le début du jeu. Je
d'urgence. File-moi un petit peu. Et donc je trouve le 2 bien plus terrifiant que le 1. Ça fait partie donc des rares jeux Atlas 2 où quand je me dis faut que je tourne le let's play, où je me dis ah oui vous savez je vais stresser. Je vois ton petit pied, il a disparu. Bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus !